Jettera un coup d'œil, là. C'est un endroit très bien, hein? Ouais, les salons sont grands, confortables, décorés avec goût. On se croirait jamais dans une maison funéraire. Ça m'a l'air bien. Ils offrent des funérailles personnalisées. On peut même exposer des objets que papa a aimés, comme sa canne à pêche. Sa canne à pêche? Mais là, pourquoi pas une boîte de verre? Ben là, franchement, c'est juste un exemple. Ça pourrait être un bâton de golf. Ça a été toute sa vie, le golf. En tout cas, tu regarderas page 10, là. L'entrepreneur a suggéré du chêne massif avec des poignées plaquées or. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, papa avait des goûts simples, hein? Oui, c'est vrai. Oh, ben tiens, il y a un petit modèle en noyer ici avec fond en satin double piqué. C'est sobre, mais de qualité. De toute façon, là, Claire, ça... Merci. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que papa, il voulait être incinéré. Où c'était pas juste ça, toi? C'est lui qui m'en a parlé à l'hôpital quelques jours avant sa mort. Il m'a dit qu'il voulait être incinéré puis que ses cendres soient répandues dans le champ, derrière la maison. Tu parles d'une idée bizarre. Ben, c'est ce qu'il voulait. Puis pas d'exposition, puis pas de cérémonie religieuse. Mais ça se peut pas, il était croyant. Il faut croire qu'il n'était plus. C'est évident qu'il avait plus toute sa tête, hein? Pas du tout. Il était très lucide, il m'a rappelé un paquet de souvenirs. Non, Michel, t'en as pas mal, là. Mais papa était âgé, son cerveau avait manqué d'oxygène, c'est normal. Claire, il était aussi éveillé que toi puis moi, plus même. Bon, écoute, même si t'avais raison, là, on n'a pas le droit de faire ça. Maman, voyons. Maman, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle est très croyante. Pour elle, un catholique, ça se fait pas incinérer. Mais là, c'est pas elle qui va être incinérée, c'est papa. Si tu tiens absolument à lui briser le cœur, là... C'est pas ça. De toute façon, je suis certaine que Suzanne, Nicole, Francine vont être très d'accord avec moi. Voyons. Incinérée. Vous avez vu la liste des best-sellers dans le journal ce matin? Mon livre est en 3e position pour la 4e semaine consécutive. Enfin, bravo, bravo. Mais il faut surtout pas s'asseoir sur nos lauriers. Hein. J'ai confirmé avec la propriétaire de la librairie du Carré. Alors, la séance de signature aura lieu cet après-midi à 16h30. Très bien, j'y serai. Je l'espère bien. Est-ce que je t'ai dit que Lorraine Cloutier sera là? Oh, Lorraine! Ah, la belle idée! Vous savez qu'elle a encore parlé en bien de mon livre à son émission de radio la semaine dernière, hein? Dis donc, Pierre, j'espère que le succès n'est pas en train de te monter à la tête. Non, mes deux autres livres ont eu du succès, ça m'a pas monté à la tête, alors je vois pas pourquoi ça changerait. Ben, moi, je disais ça pour ta gouverne, parce que j'en ai tellement vu d'auteurs qui se sont cru arriver parce que la critique leur avait été favorable. Par la suite, là, ils ont été incapables de produire quoi que ce soit de bon. André, merci pour votre mise en garde, mais le succès ne me fait pas peur, j'ai l'habitude. Tant mieux. Oui? Bonjour. Vous êtes bien, M. Mocolo? Oui, c'est bien moi. On s'est parlé au téléphone ce matin. Monsieur Johnson, vous allez bien? Je voulais vous rencontrer en personne. C'est un sujet délicat. Soyez-vous. Je vous écoute. Est-ce qu'on a le droit de discriminer quelqu'un qui a fait de la prison? Non. La Charte des droits interdit la discrimination basée sur les antécédents judiciaires. Il y a un site Internet sur moi. On parle de ma condamnation, puis on résume le procès. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Eh bien, la liberté d'expression est un droit protégé par la Charte, mais si le site publie de fausses informations sur vous... En fait, ils donnent pas de fausses informations comme telles, non. Il y a 5 ans, j'ai été condamné pour des attouchements. J'ai fait 1 an de prison, puis j'ai suivi une thérapie qui m'a aidé à comprendre ce que j'avais fait. Je me suis marié, j'ai un enfant, puis j'ai jamais eu d'autres problèmes. J'ai le droit de vivre en paix. Avez-vous subi des représailles depuis que le site existe? Pas encore. Mais le site a publié ma photo, puis a même donné mon adresse personnelle. J'ai peur pour la sécurité de ma famille.
Sweetie, tiens ton bout. Mais c'est facile à dire, ça. Claire va s'arranger pour mettre mes trois autres sœurs de son bord. Michel, ton père a pris la peine de te confier ses dernières volontés. C'est pas pour rien. Ah, ma mère est tellement croyante. Claire a dit que ça va lui briser le cœur si mon père se fait incinérer. Ta sœur t'a fait du chantage, puis tu te le prends à chaque fois. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, OK? Merci. Bye. 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 Ah, Francine. Je viens de parler à Suzanne au téléphone. Elle a su par Nicole qu'il est super clair que tu voulais que papa soit incinéré. C'est papa qui voulait être incinéré, OK? Michel, on peut pas laisser faire ça. Mais tout ce que je veux, c'est te faire respecter ses dernières volontés. Mais tu comprends pas? Je trouve ça horrible que Claire veuille faire enterrer papa. Juste à l'idée que son corps irait pourrir dans la terre, ça me donne des frissons. OK, t'es d'accord avec moi? Mais complètement! C'est pas parce que Claire est l'aînée qu'elle a le droit de tout décider à notre place. Pauvre papa. J'étais là quand les pompes funèbres sont venues le chercher dans la chambre d'hôpital. Je leur ai crié de sortir, de me laisser l'embrasser une dernière fois. Toi puis moi, là, on a toujours été écrasés dans la famille parce qu'on était les plus jeunes. Mais c'est le temps qu'on mette notre pied dans la porte. J'ai pas le goût de me le faire écraser. Faut être solidaire, Michel. C'est pas pour nous qu'on doit se tenir debout, c'est pour papa. Il a été un homme soumis toute sa vie. Faut casser le cercle vicieux. OK, qu'est-ce que tu proposes? Mais appelle Claire à son travail. Donne-lui rendez-vous chez toi vers 6 heures. Hein? On va régler ça autour d'un bon souper. Je m'occupe des courses. OK, mais je pensais que ta voiture était au garage. Ah, mais j'ai la voiture de papa. Ah? Ben, il me l'avait prêtée. Saint-Jean, c'est pas à la porte. C'était plus pratique pour aller le voir à l'hôpital. OK. Bye. Je compte sur toi. Bye. Claire Lebeau, s'il vous plaît. Claire, c'est Michel. Francine puis moi, on aimerait ça te rencontrer au sujet de papa. Bon, on aimerait ça faire ça de vive voix, là. On avait pensé qu'on pourrait souper ensemble ce soir. Ben, vers 6 heures. OK. Bye. Tu vois? T'es capable? Je vais aller faire un tour sur le site. Première vue, ça semble être des informations factuelles sur M. Johnson. Qui a mis le site sur pied? Un comité de parents dont les enfants étaient victimes de pédophiles. M. Johnson a été accusé d'attouchement sexuel sur deux fillettes de 12 ans dont il était l'entraîneur de natation. Il a été condamné à un an de prison. Le site a publié sa photo et donné son adresse personnelle. Est-ce qu'il a purgé sa peine? Oui. Est-ce qu'il a récidivé depuis sa sortie de prison? D'après ce qu'il m'a dit, non. Il a suivi une thérapie. Il s'est remarié et il a un enfant. Mais selon la loi, la divulgation d'informations qui pourraient nuire à la réputation de quelqu'un est interdite. Oui, mais de notre côté, elle n'interdit pas aux gens de publier des informations de nature publique. J'ai vu aucune incitation à la haine sur le site ou des propos haineux. Est-ce que le site a causé des ennuis à M. Johnson? Pas encore, mais il craint pour la sécurité de sa famille. Les agresseurs sexuels, c'est pas très populaire. Vous êtes pas à l'aise, hein? J'ai des enfants. Et je peux comprendre le point de vue des parents qui cherchent à les protéger. Mon Dieu, c'est vrai qu'il faut protéger les enfants. Par ailleurs, la loi prévoit qu'on ne peut pas faire de discrimination basée sur les antécédents judiciaires, je le sais. Mais si le fait de donner l'identité des agresseurs permettait de prévenir d'autres agressions sexuelles, Martin, j'aimerais que tu me trouves toute la jurisprudence sur la question. Parfait. Ah oui, on pourrait aussi consulter Isabelle Sauvageau pour savoir le point de vue de l'aide à l'enfance. Bon,
On parle de tout ça demain. Qu'est-ce que t'as apporté de bon? Des cailles. Oh. C'est le plat préféré de Claire, ça va la ramollir. Parfait. Assieds-toi, je te sers un apéro dans une seconde. Ah, Michel! Quoi? Je suis tellement désolée, je pourrais pas rester. Comment ça? C'est ton idée, le souper avec Claire? Mélanie a un tournoi d'escrime ce soir. J'avais complètement oublié. Elle serait tellement déçue si j'y allais pas. Ah non, non, tu vas pas me laisser tout seul avec elle. Mais j'ai entièrement confiance en toi. Bon courage. Je vais être avec toi en pensée. Il y avait un monde fou. J'ai mal au poignet tellement j'ai signé d'autographe. T'es très réussi. Et Lorraine Cloutier qui tenait absolument à avoir une dédicace. Hey, elle a pas arrêté de parler en bien de mon livre. Oh, quelle femme intelligente, hein? Et d'une culture. Ah. Elle s'est agrippée à toi comme une moule à son rocher. Ben, pas du tout. Ouais, mais elle t'a accaparée là, pendant toute la séance de signature. C'est tout juste si elle ne tenait pas ton stylo. Mais oui, mais elle aime beaucoup mes livres. C'est normal qu'elle ait voulu m'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Geneviève? Elle est sympathique, non? Oui. Dans son genre. Qu'est-ce que tu veux dire, dans son genre? Mais c'est vrai, Pitchounette. Explique-toi. Ben, elle m'a snobé. Comment ça, elle t'a snobé? Elle m'a complètement ignoré. Quand tu m'as présenté, c'est à peine si elle m'a jeté un coup d'œil, c'est comme si j'existais pas. Mais elle te connaît pas, puis elle est distraite. Je suis certain qu'elle a pas fait exprès. Sûrement pas, non. Coudonc, vous êtes-vous donné le mot pour gâcher ma soirée, vous autres? En tout cas, elle a frustré bien des admiratrices qui auraient aimé ça te parler, mais qui n'ont pas eu la chance de t'approcher. Bon, là, faudrait pas exagérer. Non, non, ton livre fait fureur. Et la popularité donne du sex appeal. Tiens. Merci. François n'est pas encore arrivé? Elle viendra pas, elle a eu un empêchement. Hey, c'est belle, ça! Elle devait m'accompagner cet après-midi à la maison funéraire. Elle m'appelle à la dernière minute pour me dire que Mélanie a la grippe. Francine puis moi, on voulait te dire que... C'est-tu ce qu'il avait mis le pauvre, papa? Dans une boîte en carton? Hey! Je les ai engueulés comme du poisson pourri. Là, l'entrepreneur m'a dit que c'est parce qu'on n'avait pas encore choisi le cercueil. Oh, ben, j'ai choisi celui en noyer. T'avais raison. C'est plus discret. T'aurais dû nous en parler? Ben là, là, vous me laissez tout faire tout seul. Ben, après ça, vous vous plaignez de pas avoir été consulté. Bon... Francine puis moi, on pense que les dernières volontés de papa devraient être respectées. Oh, comploté dans mon dos, maintenant? Ah, pas du tout, là. Francine est venue me voir après-midi au café pour m'en parler. Elle aussi, elle pense que papa devrait être incinéré comme il souhaitait. Hey, le cercueil a coûté une beurrée. On va pas le brûler. Franchement, Claire, brûler ou enterrer? Mais tu te vois, toi, te promener avec une urne qui contient les cendres de ton propre père? Comment tu vas faire, là, pour les répandre? Sans compter qu'au moindre coup de vent, tu risques de te retrouver avec toutes les cendres de papa sur toi, là. Claire, arrête, là, tu me feras pas changer d'idée. Bon, ben c'est comme tu veux. Ça va faire énormément de peine à maman, mais est-ce que tu t'en fous? Non, je m'en fous pas, là. Maman est bien plus forte que tu penses. Mais t'es complètement inconscient, mon pauvre Michel. C'est moi qui vais la voir tous les jours pour la consoler. Elle arrête pas de me dire qu'elle va aller la rejoindre. On n'est pas obligé de dire tout de suite. Les funérailles doivent avoir lieu au plus tard, vendredi. Alors, si tu tiens absolument à ce que papa soit incinéré, assume. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle maman. Tu lui diras toi-même que son mari n'aura pas d'exposition, pas de cérémonie, pas de sépulture, comme un chien. Allô, maman. C'est moi. Oh. Michel aimerait ça te parler. Au sujet de la mort de papa, oui. Ben, je te le passe. Allô, maman. T'es jamais d'accord avec moi quand je dis que ton père est mon rival? Il me semble que c'est d'une clarté aveuglante. Tu dis rien, là? J'aime pas ça, jouer les arbitres entre vous deux, tu le sais bien? En tout cas, t'étais pas gêné pour le faire devant ton père?
C'est toi qui m'as demandé de donner mon opinion sur Lorraine Cloutier. Mmh. Puis lui, il en a profité pour en remettre. Il manque jamais une occasion de me vexer, hein? Pierre, papa est un provocateur. Si tu le prenais un peu moins au sérieux, il arrêterait peut-être de le faire. Bon, tu es encore plus psychologue que moi, toi. Tu devrais t'ouvrir un bureau de consultation. Oui, allô? Un instant, s'il vous plaît. C'est Lorraine Cloutier. Allô? Non, 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 pas du tout, non. Demain? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, très bien, d'accord. Au revoir. Elle veut faire une entrevue avec moi pour son émission de radio. On doit se rencontrer demain, fin de journée. Ah! C'est une drôle d'heure pour appeler, non? Ah, oh, tu sais comment sont les journalistes, hein? Ils n'ont jamais la notion du temps. Je vais aller me brosser les dents. Michel? Je suis dans le salon. Je suis allée te voir au café. On m'a dit que t'avais pris congé. Juste pour la journée. J'ai mal au cou. Un deuil, c'est la plus importante cause de stress. C'est pas étonnant que ton torticolis te reprenne. C'est pas juste à cause de ça. Quand quelqu'un qu'on aime meurt, on se sent toujours un peu coupable. Je sais pas pourquoi. Comme si on était responsable. J'ai appelé ma mère hier soir pour dire que mon père voulait être incinéré. Elle a tellement pleuré. Elle m'a dit qu'elle me parlerait plus jamais si jamais mon père était pas enterré comme un bon catholique. Papa, il avait confiance en moi. Je suis même pas capable de faire respecter ses dernières volontés. C'est difficile de tout concilier, hein? Au fond, les rituels autour de la mort, c'est surtout pour les vivants qu'on les fait. Et justement, de son vivant, c'est toujours ma mère puis mes sœurs qui décidaient pour lui. Il me semble qu'une fois mort, il aurait le droit d'avoir ce qu'il voulait. T'as fait ton possible, Michel. L'important, c'est que t'aies pu passer des bons moments avec ton père avant qu'il meure. Ouch! Je vais te prescrire des anti-inflammatoires. Mais il faut que tu te reposes, Michel. Je connais Mme Toussaint, la porte-parole du comité de parents responsable du site. Sa petite-fille de 12 ans a subi des attouchements par Johnson. Elle a été suivie par un psychologue. On ne met pas en doute le tort immense que M. Johnson a causé à ses victimes. Mais il a purgé sa peine. Divulguer son identité peut nuire à sa sécurité et à celle de sa famille. Et les droits des enfants d'être protégés, qu'est-ce que vous en faites? C'est justement pour parler des droits des enfants que le conseil tenait à vous rencontrer. Avant d'être entraîneur de natation, Johnson a travaillé plusieurs années comme professeur d'éducation physique dans un centre sportif. Il y avait des fillettes de 11 et 12 ans sous sa responsabilité. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des plaintes portées contre lui? Des rumeurs ont couru à cette époque-là. Le directeur de l'école a été alerté par des parents, mais il n'y a pas eu de plainte comme telle, non. Johnson a quand même perdu son poste, mais il n'y a eu aucune difficulté à s'en retrouver un comme entraîneur de natation. Deux petites filles ont été ses victimes. Mais en quoi le site pourrait réparer ce que Johnson a fait? Ça pourrait aider à prévenir d'autres crimes. Oui, mais à ce que je cherche, il n'a pas récidivé? Pour le moment, non. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne recommencera pas? Autrement dit, la divulgation d'informations sur les pédophiles peut jouer un rôle de prévention. Exactement. Le Centre d'aide à l'enfance a fait une étude sur la prévention de la récidive des agressions sexuelles commises contre les enfants. Une de nos recommandations, c'était justement des politiques de divulgation. Oui, mais je comprends tout ça, Isabelle, mais crois-tu vraiment qu'un site Internet qui identifie des pédophiles peut être un moyen de prévention efficace? Bien sûr que oui. Pourquoi tu me demandes ça? Quelles sont les chances que le site soit vu par les voisins de Johnson ou les parents d'enfants qui fréquentent l'école de son quartier? L'important, c'est que l'information circule. Non, non. Si la divulgation n'est pas efficace en termes de prévention, ça devient de la diffamation. C'est une atteinte à la vie privée. Un individu, quelle que soit sa faute, s'il a payé sa dette envers la société, ben il devra avoir le droit de vivre normalement.
Les pédophiles vont être contents de savoir qu'ils ont un avocat du conseil de leur bord. Mais voyons, Isabelle, Martin défend pas un pédophile, il défend un principe. Non, 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 s'il vous plaît. C'est un sujet délicat, faudrait mieux garder la tête froide. Admettons. Admettons qu'il y avait juste un parent, un voisin qui tomberait sur le site, puis que ça suffisait à prévenir une seule agression. Est-ce que ça en vaut pas la peine? Excusez-moi. Laisser les choses décanter. Je te remercie d'avoir pris ma défense. J'aurais dû être moins émotive. Et puis, Junette, ça va être l'entrevue de Pierre. Allez, viens t'asseoir. J'arrive. J'aimerais maintenant vous présenter mon prochain invité. Ce psychologue réputé a déjà publié 2 best-sellers. Il est d'une séduction folle. Oh, mon Dieu, c'est gentil, ça, merci. Et modeste en plus. Pourtant, c'est un abonné au succès. Il vient de publier un essai extraordinaire sur les relations hommes-femmes qui est déjà 3e en ce moment sur la liste des best-sellers. Pierre Roberge, bonjour. Bonjour, Lorraine. Pierre, j'ai été rivée à votre livre. J'ai passé même une nuit blanche. Oh, une nuit blanche! Vous connaissez tellement bien le cœur des femmes. Quel est votre secret? Écoutez, il n'y a pas de secret. J'essaie simplement d'être à l'écoute. À l'écoute. Un homme à l'écoute. Vous rendez-vous compte à quel point vous êtes une denrée introuvable? Non, c'est vrai, les hommes sont jugés très sévèrement dans notre société. On nous demande d'être performants, d'avoir du succès, d'être forts et en même temps d'être tendres. C'est tellement vrai ce que vous dites. Mais après avoir lu votre livre, j'ai le sentiment profond que vous êtes le genre d'homme à pouvoir concilier tout ça. Est-ce que je me trompe? Ça veut dire que je fais mon possible, mais c'est loin d'être simple. Si je vous comprends bien, alors la guerre des sexes, pour vous, ça n'existe pas. Ben écoutez, pour moi, les hommes et les femmes sont des êtres différents. Hein? Heureusement. Ils sont différents, mais complémentaires. C'est important de laisser son espace vital à son ou sa partenaire, tout en prenant sa propre place. Vous avez vraiment toutes les qualités. Hein? Vous êtes beau, vous êtes intelligent, à l'écoute des femmes, tout en assumant votre virilité. Non, mais vous devez faire tomber les femmes comme des mouches. On se quitte le temps d'une pause musicale et je vous reviens tout de suite avec notre invité, le beau Pierre Roberge. Une chance qu'il y avait une pause musicale. Hein? Bon, elle embêtait un peu, mais... Un peu? Une seconde de plus, elle se jetait sur lui. Ici Lorraine Cloutier. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. L'entrevue a passé tellement vite, j'ai pas eu le temps de vous poser le quart des questions que j'avais préparées. Mais pour moi aussi, hein, ça a passé comme l'éclair. Mon Dieu, vous étiez tellement à l'aise au micro, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ah, merci. Ben, faut dire que quand on est avec une bonne animatrice, ça aide. Vous savez, notre talent est directement proportionnel à celui de nos invités, hein? Quand on tombe sur quelqu'un de moins inspirant, forcément, ça déteint sur nous. Ouais, je comprends, c'est... Dis donc, Pierre, qu'est-ce que tu... Oh, pardon, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah, ben oui, bien sûr. On pourrait peut-être aller prendre un verre pour continuer notre entretien. Il y a un petit café charmant à 2 pas d'ici. Ah, oui, ça me fait plaisir. Mais pas très longtemps parce que je suis attendu pour le souper. Ah, moi aussi. Mon fils. Ah oui? Il a quel âge? 8 ans. Ah, j'ai une petite fille, moi aussi. C'est vrai? Oui, elle a cet âge-là. Comment elle s'appelle? Anne-Sophie. Mais dans la vie de tous les jours, on l'appelle Zaza. Allô? Je peux entrer? Oui, oui. Tu travailles encore? Ben oui, je prends la défense des pédophiles. Il faut que je sois bien organisé. Je regrette ce que j'ai dit. Les mots ont dépassé ma pensée. C'est quoi ta pensée au juste?
Pour moi, les droits des enfants puis leur sécurité, c'est plus important que les droits des abuseurs. Isabelle, des délinquants puis des criminels, t'en croises beaucoup dans ton travail. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à la réhabilitation, ces gens-là? C'est pas pareil, Martin. Pourquoi c'est pas pareil? C'est des jeunes. Ils sont déboussolés sans aucun soutien familial. Johnson est un adulte en pleine possession de ses moyens. Qu'est-ce que tu veux qu'il recommence? Il me semble qu'on pourrait discuter sans grimper dans les rideaux à chaque fois. Excuse-moi, je vais essayer. Ce serait peut-être plus prudent de me faire dégriffer, par exemple. Est-ce que tu t'assoirais, toi? Allô? Excuse-moi d'être en retard, hein. On est allé prendre un verre après l'entrevue. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que tu m'as pas attendu pour le souper. Non, papa a souper avec moi. Ah. Est-ce que vous avez écouté l'entrevue? Mm-hmm. Et puis, comment tu m'as trouvé? Très bien. T'as pas l'air emballé. Non, toi, t'étais excellent. Ben là, qu'est-ce qui clochait, là? Ben, j'ai trouvé que Lorraine Cloutier en mettait beaucoup. Elle aime beaucoup mon livre, elle était très enthousiaste. Bon, d'accord, je lui déplais pas. Je vais quand même pas me le reprocher, hein? Non, je le reproche pas. J'aurais juste aimé que tu m'appelles pour me dire que tu rentrais pas au souper. Ça t'est arrivé souvent de pas m'avertir quand tu rentrais pas souper, toi? Pas souvent. Excuse-moi, bel amour. Je sais plus très bien où j'en suis ces temps-ci, là. Tout va tellement vite. J'avoue, ça me donne le vertige. Je me sens étourdi. J'avoue que ça te déplaît pas que Lorraine Cloutier te fasse de l'œil. OK, j'avoue. Tu sais, mon ego a été mis à rude épreuve ces derniers temps, alors c'est sûr, ça fait toujours du bien de sentir complet à une jolie femme. Regarde, là, je te dis les choses comme je le sens. Ça va? T'as pas de compte à me rendre? Qu'est-ce que tu lis? Une étude sur la prévention des agressions sexuelles commises contre les enfants. Mon Dieu, en quoi ça concerne le conseil, ça? Ben, on a reçu la plainte d'un pédophile dont l'identité a été divulguée sur un site. Un pédophile? Vous allez quand même pas le défendre, là. On n'est pas des avocats, Pierre. Tout ce qu'on fait, c'est d'étudier pour voir si on accueille sa plainte ou pas. Un pédophile? Hey, ça met le trouble, hein? J'ai réglé les derniers détails avec l'entrepreneur. Il va y avoir une réception après dans une de leurs salles. J'ai choisi le menu sandwich et café pour 100 personnes. Oh, Francine et Nicole ont l'air de trouver ça trop cher, mais qu'est-ce que tu veux? Papa avait beaucoup d'amis. Pas envie qu'on ait l'air d'une gang de cheap. Qu'est-ce que t'en penses? C'est à toi de décider. Hey, moi, je suis épuisée. Je fais mon possible. C'est moi qui m'occupe de tout. Tu devrais m'en être reconnaissant au lieu de me bouder. Je te boude pas, j'ai un torticolis. Oh. Pauvre Michel, t'es tellement porté à l'hypochondrie. Non, c'est pas de l'hypochondrie, j'ai vraiment mal au cou. Là, j'avais demandé au notaire Infray de faire la lecture du testament au plus vite. Il faut payer la maison funéraire, il y a tellement de frais. Moi, j'ai déjà avancé 2 000 $. Je peux pas faire plus. Alors, la lecture a lieu ce matin, tout à l'heure, là, à 11 h. Oh, j'irai pas.
si c'est à cause de ton torticolis, là, t'en fais pas, hein? On va être assis tout le temps. Ça m'intéresse pas d'y aller. Là. Michel, il est temps que t'apprennes à prendre tes responsabilités. Je suis nul dans ces affaires-là. Je te fais confiance. Ben, ça me touche ce que tu dis là. Tu verrais, le rôle d'aîné, c'est pas toujours facile. Tout le monde s'appuie sur moi, puis après ça, personne n'est jamais content. Je te remercie beaucoup, mon petit frère. C'est sympathique, Claire. Merci, toi pareil. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Que je sois chez le notaire à 11 heures. Je sais pas qu'est-ce que ça changerait. De toute façon, c'est encore elle qui va tout décider. Monsieur Mokolo, qu'est-ce que vous attendez pour agir? Que des citoyens mettent le feu à ma maison? Calmez-vous, M. Johnson. Avez-vous reçu des menaces? Quand je suis sorti pour aller reconduire mon fils à la garderie ce matin, j'ai trouvé une pancarte plantée devant ma maison. C'est écrit « Attention, danger, pédophile » en grosses lettres rouges. J'espère que vous avez appelé la police. Mais qu'est-ce que ça change? Le bouche-oreille a eu le temps de se faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avez-vous reçu d'autres menaces? J'ai perdu mon plus gros client. J'avais rendez-vous avec lui cet après-midi. Il a annulé en me disant qu'il voulait plus jamais faire affaire avec moi. Il vous a expliqué pourquoi? C'était pas nécessaire, j'avais compris. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Comment pensez-vous que mes autres clients vont réagir quand ils vont apprendre qu'ils achètent de l'assurance à quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que vous en pensez? À cause du site, il a perdu un client, il risque d'en perdre d'autres. C'est clairement un motif de discrimination. À mon avis, on devrait accueillir la plainte de M. Johnson. Et toi, Geneviève? Je suis bien obligée d'être d'accord avec Martin. Vous avez encore des hésitations, hein? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à fermer le site de Mme Toussaint? Il me semble que les gens devraient avoir le droit de s'exprimer librement. Moi, je pense pas qu'on soit obligé d'aller jusque-là. Mais qu'est-ce que tu proposes? Ce qui pose un problème, c'est que le site utilise la photo et l'adresse de Johnson. Si on peut convaincre Mme Toussaint d'enlever ces informations-là de son site, elle pourrait le garder. Ah, excellente idée. Je te mets en charge de rencontrer Mme Toussaint. J'arrive de chez le notaire. Il a fait la lecture du testament. Papa nous a légué tous ses biens à maman puis à tous les enfants. C'est quoi le problème? C'est toi qui as nommé comme liquidateur. Liquidateur? C'est le nouveau mot pour exécuteur testamentaire. Hein? Mais ça se peut pas. Hey, tiens. Regarde. C'est écrit. Noir sur blanc, tiens. Papa, t'en avais pas parlé? Pas du tout. Mais pourquoi moi? Ben, je te le fais pas dire. Je veux dire, moi, je m'y attendais pas, là. C'est moi, l'aîné. Je prenais pour acquis que c'est moi qui choisirais. Ou bien, à la limite, maman. Mais toi? Et tout le monde a été sous le choc, là. Maman, la première. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, au juste? C'est une très grosse responsabilité. Oh. Va d'abord falloir demander au notaire d'obtenir la certification de recherche testamentaire. C'est quoi, ça? Le notaire va devoir faire des recherches pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres testaments. Tant que ça, c'est pas réglé, là, on peut pas toucher l'héritage de papa. Même les comptes bancaires sont gelés. Ah oui? Mais c'est pas tout, là. Va falloir rencontrer les compagnies d'assurance, faire les transferts de régime de retraite, prendre rendez-vous avec le comptable de papa, là, pour régler toutes les questions fiscales, la gestion du terrain de golf, prendre une décision au sujet du chalet, puis là, régler tous les petits cossins, là. Annuler les abonnements, payer les comptes en souffrance, l'auto. C'est bien compliqué, ça. C'était quasiment un travail à temps plein. Moi, j'avais des congés d'accumuler au bureau. Là. J'étais prête à les sacrifier pour régler les affaires de papa. Mais là, il m'a pas fait confiance. Ah, dis pas ça. Je me plains pas, là. Juste un petit peu difficile à avaler. Au fond, là. Moi, j'avais beau me démener pour papa, là, lui rendre plein de petits services.
J'ai jamais vraiment existé pour lui. Non, c'est pas vrai, ça. Papa, il était pas très, très expressif. Fini. T'as toujours été son préféré. Non. C'est vrai. Passiez des heures dans le sous-sol à construire la maudite tour Eiffel en allumette. Il t'amenait pêcher, toi? T'aimais pas ça, la pêche. De toute façon, ça sert à quoi d'en parler? Papa t'a choisi, un point c'est tout. Y a rien qui t'empêche de refuser, par exemple? Ah oui? Si. En tout cas, si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler, hein? Je suis habituée. Ouch! Ton torticolis s'est pas amélioré? Non. As-tu pris tes comprimés? Oui. Est-ce que tu dors bien? Je dormais bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je dormirai plus. Pourquoi? Mon père m'a nommé exécuteur testamentaire. Hey, je te félicite. Ouais. C'est une nouvelle responsabilité qui t'inquiète? C'est tellement compliqué, je serai jamais capable. Moi aussi, je pensais la même chose quand Philippe est mort. Tout le moment, j'avais l'impression de soulever une montagne. Mais finalement, je suis passée au travers. Claire est bien plus efficace que moi dans ces affaires-là. C'est l'aînée de la famille. Elle s'attendait à ce que mon père la nomme. Ça l'a blessée qu'il me désigne à sa place. C'est pas pour rien que ton père t'a choisi. Il te faisait confiance. J'ai tellement été à la hauteur, oui. Mon pauvre père doit se retourner dans son beau cercueil à noyer doublé de satin. Et t'es dur avec toi, Michel. Tu savais pas encore que tu serais son exécuteur testamentaire. Maintenant, t'as la chance de te rattraper. Tiens. Merci. Ça va te faire du bien. Tu sais, Michel, tu devrais te compter chanceux. Ah oui, très chanceux. J'ai le courant comme une barre, puis je vais avoir ma mère puis mes quatre sœurs sur le dos jusqu'à temps que je fasse une dépression. Très chanceux. Ton père t'aimait, toi. C'est vrai? Il te l'a prouvé en te nommant exécuteur. Moi, mon père, il se fout complètement de moi, hein? Alors qu'il est, il est peut-être mort, puis je le sais même pas. Je connais rien en affaires, Franny. Je sais balancer ma caisse, puis signer des chèques, rien d'autre. Ouais, c'est tout ce que ça te prend. Ben voyons, t'as pas l'air de te rendre compte, là? Il faut que j'aille chercher une certification de... je sais pas trop quoi, que j'aille voir les caisses, les banques, le comptable. C'est un travail à temps plein. Ben, il paraît que je suis pas obligé d'accepter d'être exécuteur. Fait que... Oh my God, t'es une vraie pâte molle, toi, hein? Ben, t'as pas le droit de m'insulter, là, je suis malade. Tu te plains tout le temps que tes soeurs te bossent. Pour une fois que tu peux mener la barque, tu veux lâcher. Ah, si... peux-tu aller répondre? Ça doit être clair, dis que je suis couché. Ah, Francine! Allô, Franny. Est-ce que Michel est là? C'est parce qu'il est couché. Ah. Mais il faut absolument que je lui parle. Je le dérangerai pas longtemps. Michel. Je suis tellement contente. Hein? T'es contente? Ah, doucement. Excuse. Papa a bien fait de te nommer exécuteur. Toi, au moins, t'es pas égoïste. T'as toujours été à l'écoute des besoins des autres. Je fais mon possible. Écoute, ça m'embête là, de te demander ça, mais j'aurais besoin d'une avance. Tu comprends, je suis en sabbatique, hein? J'ai juste la moitié de mon salaire, puis les enfants coûtent tellement cher. Je sais pas si je peux, là. Mais tu peux certain, c'est toi l'exécuteur. Regarde, 3000 piastres. Ça devrait aller pour commencer. Je veux pas te déranger plus longtemps. T'es un cœur. Hé, hey, t'as encore le toit, papa? Oui. J'aide maman à faire les courses, pourquoi? Ah, pour rien. Bye. Bye. Bye, Franny. Bye. T'es pas une pâte molle, tu sais. Isabelle? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais ici?
chez le comité d'accueil. Non, c'est parce que je m'attendais pas à ta visite. Hein. J'avais pas le goût de manger en tête à tête avec les reflets. Je t'avertis, là, moi, j'ai rien dans le frigo. Ah, oh, j'ai fait une épicerie. Mais si ça te tente pas de me voir, je peux repartir. Non, 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 non. C'est juste que j'aurais aimé que tu m'appelles avant. C'est bon, j'ai compris. Isabelle. T'étais pourtant clair entre nous. J'haïs ça, manger toute seule. Puis ma chatte est pas encore capable de parler. Qu'est-ce que t'as acheté, jeune fin de loup? Des sushis. Je me suis dit que ça changerait de la sauce à spaghetti de ma mère. J'ai beaucoup repensé à ce que tu m'as dit la dernière fois. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais qu'on devrait pouvoir discuter sans grimper des rideaux à chaque fois. T'as raison. Je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin. Bon, ben, tu vas avoir une bonne occasion de mettre ta nouvelle résolution à l'épreuve. Oui, pourquoi? Le conseil a décidé d'accueillir la plainte de M. Johnson. Je comprends pas que vous vous embarquiez là-dedans. Tu n'étais pas censé mettre de l'eau dans ton vin? Oui, j'en ai mis. Hey, tu devrais pas laisser ta porte débarrée. Il y a plein de vols dans ton quartier. Il y a des gens qui tueraient pour 5 piastres. Qu'est-ce que t'as apporté là? Une petite surprise. Attention, c'est fragile. Ah! La tour Eiffel en allumette. Et maman s'apprête à l'acheter aux poubelles. Elle dit que c'est une vieille cochonnerie, que ça ne servait à rien. J'ai pensé que ça te plairait de l'avoir ici. Wow, c'est vraiment gentil. Oh, oui. Hey, je m'excuse d'avoir été bête avec toi, Michel. J'étais en état de choc, tu comprends? Wow, oui, t'as pas à t'excuser. Oh. Je suis certaine que tu vas être à la hauteur de la tâche. Et si tu veux ma place, prends-la. Je tiens pas. Non, 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 non. Non. Si papa t'a confié ce rôle-là, c'est parce qu'il pensait que c'était à toi de le faire. Je t'ai quand même préparé une petite liste de choses à faire pour commencer, là. Tu sais, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, là, hésite pas à me le demander, OK? Bye, là. Bye. Merci. Thank you.